DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tangwe Koki yo yo Tangwango yango yo e koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oye oh, yeah, ye yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, vous avez compris que tous les qui vraiment mingi sur plateau T, tous les qui ont terrain pour tous les donner comme d'habitude. Ma caméra, moi, est belle à mon couloir. Hello, hello, quoi, les bossos, les alliés, cour constitutionnel, ayo qui coule la langue. Matata yaka kosamba, lundi, na 11h, juste na cour constitutionnel. Dossier Boukangalon, j'ai un balot, tous la vérité. Merci beaucoup, na président ya cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tapé. Merci na cour constitutionnelle. Chers compatriotes, vous devez retenir également que, aspect justice toujours, le procureur général près la cour de cassation à Tombo Kimabe. Dans le bien à Tombo Kimabe, ba magistrat tout, oyo bazo tambola na nyamu nyamu. Bazo traumatiser peuple, bazo lukaba, kanga kaba ninga nanko bati na kabango na prison, yambalo bako nukuti na kabango pe na prison. Hey, je sais qui dit vraiment papa Fati. Bah moi je sais bako nukuti na kabango pe na prison c'est quoi. Hey, le procureur général ya cour de cassation firmé à Tomboki, papa Tomboki, bako yo kama kambwa. Tozaka kana justice. Et appelé avocat général, conseil principal et président de la cour constitutionnelle. En même temps, na maïma tali, justice na mboka na biso, abimisi obé livre ya mounene, boye biango, la résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo, bilan et perspective, Dieudonné Kamoulé Tapé, tokolo belango. Peter Tiani, bazuyé. Bazu pour la nini, batinde la kaye invitation aya ko justifier ba tweet oyo a lobaka liwa ya okende enlèvement ya okende na 14h mais makamuyo le kana 16h ala ki sa profession ba enquêteur nem toza na posa nae batinde la kaye invitation ba lebele mais abanane ko yate yango ba ye ko tai ne ba lokoti biso sikona ko tambola na balabala le susu to kutani na batu. Bah le il faut te payer sa identité à Martin Fayoul. Tu es bakaté Martin Fayoul zakande ko papa kabasele yampagne. Depuis calé. Ah, Martin Fayoul zakande ko papa calé. Mais tu es bakaté. Ah, Martin Vier. Au bon mélé du son vérité amune ne peut pas ni. Ah. Tu ko banda wana ndé. Ma mbeza la casse. Mais avant toute chose, tata bonjour. Bonjour, bonjour, mbote. Ouais. Nabino et sengo kuta na nabino li sous les lo. Merci. Mm-hmm. Très bien. Le 19 août 2023, jour pour jour, Patricia Tshiseko totalise 4 ans. Joyeux anniversaire, Patricia Tshiseko. Et là, nous te souhaitons un heureux, joyeux, plein de choses. Mboulamine a déjà beaucoup de choses et devant vous. C'est une fille brillante, belle, jolie et qui a plein d'avenir pour la lobby, pourquoi pas, na kiti lokola ma presse, pourquoi pas lobby kuna na ma na kiti kuna pembeni ya lokola magistrat, lokola juge, lokola politicienne, lokola femme forte. Pourquoi pas une diaconesse, ministre d'État lokola princesse Adèle Kaïnda puisqu'elle ngaka paye mingi. Et nous te souhaitons un heureux anniversaire, c'est ton jour. Que la grâce de Dieu soit avec toi, Patricia. Patricia Tshiseko, joyeux anniversaire. Le qui y a Ereka Muzeka. Le qui y a Acacia Muzeka. Le qui y a Yanneville Muzeka. Patricia Tshiseko. Ah oui, la redoutable. Patricia Tshiseko. Joyeux anniversaire. Alors, que Dieu te bénisse. 4 ans, ça s'est fait. Patricia Tshiseko. Patricia Tshiseko. Merci beaucoup. C'est parti. Arrête, ça, ok. Nanzela, pas lourd.
Patricia Tshikou, allez. Joyeux anniversaire. Papa, tu es bien vérité. Donc, Martin Foyloz, Zalaka, Ndekoya, Pepe Kale. Oui, oui, d'après des enquêtes, tant que tu sais si tu es qui, tu es un na pour Pepe Kale, tu es un peu Yebani à Nabandal, tout le monde connaît la résidence du grand éléphant. Mais moi, c'est pas à Koufa déjà. Mais Bana Baza famille, Zali. Bien sûr. Mais tu places dans la vanda qui a Wakala, dans l'Ouzi. Nambakura n'a pas de la vie, qui n'a pas de l'antenne à Vodacom pour que n'a pas de la vie. Pepe Kale, tu es un peu à Massi. Et à Zakoutou, photocopie, n'a pas de la télé, mais tu es un peu à Gayampagne. Ya Massi, c'est une famille. À Zakoula, Nièce et à Martin Fayoul. Alors, le problème, c'est lequel? Pepe Kale est né d'un père sénégalais, qui n'est pas un secret. Congo n'y a pas de kaza père sénégalais. Il n'y a pas de est de Nangamba qui s'engani. Mais maman a de Mweka, une Kassayenne, une Kouba. Et c'est pourquoi Yampanya a pu célébrer l'honneur y a Ekolo y a maman a en nommant même son propre orchestre Empire Bakouba. Ouais. Yampanya. Yampanya Obamoulan. Exactement. Ouais. À ce moment-là, maintenant, papa y a Martin Fayoul. N'a papa y a Pepe Kale. Baza même père et même mère. Pepe Kale est le grand frère y a Martin Fayoul. Pepe Kale est le grand frère. Y a Martin Fayoul. Papa Moko, maman Moko, n'a pas y a Fayoul. N'a pas y a Pepe Kale. Bango nyo so ba yebani. Comme ba cousin. N'a ba cousin. Et Pepe Kale, non. Martin Fayoul et papa n'a rien à maman n'a rien à manger sur le Sénégalais. La différence il y a Martin Fayoul na Pepe Kale c'est que maman y a Pepe Kale Zara qui congolaise Moulouba. Moulouba. Par contre maman y a Fayoul c'était une Sénégalaise qui a grandi à Kinshasa. Comment Martin Fayoul s'est retrouvé na Bandundu? Tango et comment Tango y a Kala y a Zahir. Dans Tango Yakala, vers des années, c'est pas quelques, Martin a kokendi yanae ya mwasi. Yanae ya mwasi, très bien. Yanae ya mwasi va être épousé par un dignitaire moko ya Bandundu. Oui. Le fils Yanae ya mwasi, pour ceux qui veulent les enquêtes, puisque nous on enquête, c'est l'actuel administrateur ya stade de martyrs au de la Pentecôte. Numéro 1, Oaza Mokonzi à stade de martyr est neveu propre à Martin Fayoul, à Kobenga Martin Fayoul ou Noko, qui a été nommé l'administrateur à stade de martyr. Maman, Yaya administrateur à stade de martyr, Yaya Martin Fayoul, à Balaka, un dignitaire Moko, Ya Grand Bandundu, qui était proche, il a fait gouverneur Takizala. Et à ce titre, Ndazwile Kinaye et la famille qui sont allés maintenant au Bandundu puissent pour la kokende kouvande pa ya naye. Donc Martin Fayoul kenda kané na Bandundu kouvande pa ya naye. Et pour votre gouverne, puisque dans l'imaginaire il explique être moine en Gilles, les enquêtes nous ont conduit notamment na Ngabo Yangaba. Yangaba, au moins côté place pasteur Bumba dans l'église de Dieu vivant, Dieu créateur, Dieu de Sikatenda. Après l'église, Lupango et Kangami, de Lupango où étaient ses parents. Il y a Martin Fayoul. Moi, Yangaba. Tango Baya côté Kalupango, Nayana Bakisimbongo, c'est l'argent de la parcelle Pembeni église Dieu de Sikatenda qu'on l'a envoyé en Europe pour aucun de Kotanga. Yango? Martin Fayoul, il y a un parc qui est en train de se faire. Martin Fayoul, il y a un parc qui est en train de se faire. Il y a un parc qui est en train de se faire. Il y a un parc qui est en train de se faire. Il y a un parc qui est en train de se faire. Ils ont essayé d'être de part et d'autre. La finalité de bon marché dans la commune à Kinshasa, c'est deux communes où est en train de se faire. Il y a un parc qui est en train de Qu'est-ce qui s'est passé? Vers les années 70 et 71, ba Sénégalais bande ko kufa na Kinshasa, bande ko kunda bango wate. Il faut kaka baka matakor, bazongi se yango na Sénégal après ba rituel islamique. Et il a grandi comme tout jeune croyant na kati ya mosquée.
famille n'est pas musulman. Bon, certainement, lui, il est devenu chrétien par la suite, par lui-même, mais toute sa grande famille est restée musulmane. Et que ça, là, moi, dans mon corps, il y a quartier, dans Louvois. A kendaka ko sali sa ko pesa biloko ya ba sa regale moko atinda ki ye mwana na disparaître et ça la tolé alors que Bolozi était dans tous ses efforts. Bolozi avait un médecin qu'on appelait docteur Kitenge, qui est un professeur en médecine que nous saluons en passant, qui est ici et à ce jour papa. Bah je vous dis, docteur Kitenge a été le premier boursier tozui na juin 1960 bourse et en indépendance. Et en août 1960, il va aller en Europe pour aller comme boursier. Il était déjà diplômé d'État quelque temps à la photo. Moi, dans le quartier. Son dossier, nous sommes en train de réunir d'abord d'enquêter. Nous y arriverons pour expliquer aux Congolais combien ce grand professeur vient d'être spolié par un Malien, Lupangoné à Louva, qui l'a occupé pendant 38 ans. Avec bah, Malien, qui peut congolais va trouver pas. Exactement, avec la complicité de certains magistrats congolais. Bah, magistrat, c'est tout. Il y a professeur en médecine qui t'inquiète. Très bien. Je vais en arriver dans ce dossier pour que la Sissawana. Moi, là, on attend à Koufa, Sangoumatite, pas Mobutu, et service à sécurité, enquêter. Après quoi enquêter, on découvre que Bawara, Bazoa qui m'a dit, Babomi, Bapasolié, Batier minéré, Bandoti à diamant et or, puisque ce sont des grands commerçants, trafiquants, nous sommes minérés, et zongi na Sénégal. Tant que nous sommes accordés na Sénégal, pourra que nous sommes minérés na Kati. Or, diamant, toutes les pierres précieuses, on les retourne au Sénégal en tant que tel. Mobutu va discuter, j'ai l'arrêt. J'ai la décision à comité central. J'ai l'arrêt à désinfectation. Au auditorat et tinda ba congolais ba puyé ba bengana tous sénégalais et maliens qui étaient ici ba botola bango nyoso biloko. Et on a soumis à 71-72 à la vente publique biloko nyoso ya ba ouest africain. J'ai l'ensemble et la commission et la décision par écrit que les enquêtes.com ont essayé de collecter. Ce qui est fait qu'à ce moment-là, Baboti Naye, na banane tout la mise à Zaza. Il commençait maintenant à se disséminer, partit et d'autres, et la plupart des babalagi déjà ba congolaises ont fait un effort ya kobongo la ba combo. C'est pourquoi vous le voyez qu'il n'est pas même attiré, il n'a jamais été attiré ya kobota tata na congolaise, il a cherché à épouser une femme camerounaise. Donc, Martin Fayulu n'a rien de congolais en lui. Moi, on avait perdu au bar la Congo Brazzaville. Il n'a rien de congolais. C'est comme Nani Yemoko, Nani Soriano. Vous voyez, c'est les Rekiri. Vous imaginerez, je vous donnerai une vidéo où tu colleca. Il y a mercenaire na kati ya CDAO. Quand le dossier des pièces, il y a Ousmane Ouattara, ne fait de lui aucune fois ivoirien. Il est étranger, né et grandi. Originaire, il y a Burkina Faso et c'est l'étranger qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le coup d'État qui a été fait au Niger, Bazoum est d'origine algérienne. C'est un Algérien et c'est ça même la colère même à Nigérien pour tenter de le faire au coup d'État puisqu'il n'est lié par le Niger ni de père ni de mère. Joseph Kabila et c'est cette situation que les Africains ont découvert que pour que Mutwaza na Bulingwa Mboka, il faut d'abord Baluka, Ouazana Racine, puisque celui-là, il peut décider tout, puis il n'a aucun intérêt dans ce pays. Très bien. Donc, Martin Vanda Nabiswa, Wakane, Tuanoui, Malandzim, Bamano, Tuvandi, Naimbula, Nambula, Tatanae, Toye Biete, Mamanae, Toye Biete, mais on découvre aujourd'hui vraie identité. Et Avanda Kimia, cousin personnel. Soko Zongi n'a pas répétition, Nyos, n'a pas concert, Nyos, a Pepe Kale, partout, Napoto. Martin ne manquait d'aucun de ses concerts. C'était son cousin propre. Ndekonaye. Ah oui. Chico, toujours tout dans Martin Fayulu m'a dit. Et à ce temps, quelques langues de papa et à Bébé Kalepe, à Koki, maintenant, il va traquer Baboto le Bango Banda, quoi, dans le Sénégal, pour il va aller y mourir plus tard. Très bien. Martin Fayulu peut nous expliquer. Na bandundu, où il y a le bagage, na bandundu, il y a côté Nini. Bandundu, il y a côté Nini. Aïe, Bébé qui congote.
C'est ce que je me demande. Le monsieur qui a épousé sa grande sœur Ndaza, originaire à Bagata. Papa, Yandeko Yaza, administrateur Yasta de Martyr, c'est certains qui sont originaires de Bagata, dont sa sœur est la sœur aînée, Ya Martin Fayol. Très bien. Papa Nenda Sombe, la grande sœur Naesko, même Lupango Anjil, là où il dit que nous avons habité Anjil, c'est sa sœur-là qui avait acheté Lupango Anjil Nassis. Ok. Voilà, enquête.com. Pour Kota Yango, il faut Kota Zamba, n'est-ce Kota Rakuna. Souvent, à Balabal. Ah oui. Ah oui. Donc, Congolais, on vote étranger. Martin Nengeza, Betang, Vidouan, les autres Tambola et Siliponae. Deuxième point, tout en a dossier justice. Tout d'abord, on a pu Peter Tiani. Bah, Luki, si y en a justice, ça a zoki makak. Bah, Lokoti, Yaka. Donc, moi, je crois que l'honnêteté. Dans le dossier, Cheribé Okend. Exact. Dans le dossier Cheribé Okend, nous avons fait des décryptages utiles, pédagogiques, sans passion ni état d'âme, puisque vous le savez autant que vous et moi. Tout ça d'abord, dans l'espace à Grand Kassai, Nabisonayo, na Cheribé. Personne ne peut avoir la compassion à Cheribé que le Kabiso, dans l'espace à Grand Kassai. Moi, au-delà d'être Grand Kassai, je suis sans courroie. Et personne ne peut avoir la passion de Chéribin que les Kabiso auto-perdent. Et nous l'avons fait, pas pour saboter la famille, pas pour ne pas respecter la mémoire de notre frère, mais c'est pour pousser les enquêteurs au loin, véritoire et éclater au grand jour. Peter Tiani, pour des raisons d'information, puisqu'il s'agit du sang, il s'agit de la vie humaine, constitution lobby vie humaine est sacrée. Dans les enquêtes, toute personne susceptible à éclairer la lanterne et à parquet qui instruit, a qui peut interpeller Moutounios. Et puis il faut noter que le parquet peut arrêter même, peut interpeller quelqu'un sans preuve, j'insiste, pour des raisons d'enquête. Et ici, ça n'a pas été l'interpellation. À défier justice et les informations à notre possession, la dernière fois qu'on lui a amené un acte de procédure, à Passoliango, Liboso, il a préposé à justice à Kende Koti que le Mukanda pour y répondre. La justice s'est liée envahie une deuxième, une troisième, dont la mention est Komama qui claire faute d'obtempérer, conformément à l'article 5 du code du procédure pénal, la justice se verra dans l'obligation à contraindre et à couiller et pas n'aille par la force, et c'est comme cela qu'on appelle cette contrainte mandat d'amener. Ainsi, on l'a fait venir de force pour que Ayako dépose son de cloche naïe. Moi, je crois que tout le monde, vous et moi, ou chacun, qui a la vidéo, récemment ici, m'a invité à Kingaï dans ce sac. Est-ce que j'ai pu faire l'orgueil? On a ce qui t'engue, on a ce qui dépèse, on a la défendre à Fachi, on a Kendete ou le reste. Je suis allé tout bonnement. Je peux vous ajouter les DG à Groupe Univers Télévision. A été convoqué au même titre que moi pour une mission à Ndazala qui a animé. Il est allé répondre, mais toute la ville de Kinshasa sait que Groupe Univers Télévision, c'est une chaîne qu'Eric avait déjà vendue à un citoyen congolais. Et on connaît comment cette chaîne fonctionne. Est-ce qu'il se soit enorgueilli? Ah non, ce groupe, c'est Univers Télévision, nous c'est elle, Token de correspondre était Jack Kenny est allé répondre devant le CESAC. Et c'est ça. Le devoir d'un citoyen, il y a qu'à respecter le loi de la République et les autorités établies. S'il nous arrive pour dénoncer certains méfaits à l'autorité, mais pas puisqu'on ne les aime pas, pas puisqu'ils sont... Non, c'est pour que bah, améliorer ça, les Lonabango, que nous dénonçons bah, pratiques qui sont qualifiées d'antivaleur et des pratiques qui sont nuire à l'administration judiciaire. Voilà pourquoi les lots, la justice a été contrainte. Yako Kamatae, des forces, pas qu'il ne corresponde. Il faut ajouter, dans ma enquête, où est allé lui à Cheribé Okend, toutes les conclusions des enquêtes dites autopsie sont déjà dans la, devant la table du magistrat instructeur. Oui, l'enquête, ça déjà. Les rapports non, et autopsie. Non, rapport et autopsie, et ça déjà. Et ça déjà dans la messe à magistrat. Et aucun de ces rapports, d'après
nos traçabilités, puisque moi j'ai l'accès familial. Bien sûr. Pour accéder à certaines choses, puisque Mazisa Sokazui Likambo, comme famille Bazala peut partie prenante, à Kolimbole la Bangope, à Kolimbole la toutes les parties pour que Bangope ba miyoke là. Est-ce que le président est impliqué? D'ailleurs. Le président de la République est-il impliqué? Est-ce que le rapport est une caméra pour voir qui a tué, qui a fait quoi? C'est comment quelqu'un est mort? Voilà! Dans ces rapports, aucun nom n'est cité. Bien sûr. Dans ces rapports, il n'a jamais été mentionné dans ces rapports, par exemple, Kakoufaki, Ami Koufelaki, Simane Baekozualissa, Sibabetie. Aucun médecin légiste parmi les quatre experts n'a mentionné de pareil. Tous unanimes, oui, que celui-ci était mort par une balle. Wow. Laquelle arme qu'il a tué, c'est celui de son garde du corps. Jusqu'à ce jour, l'analyse balistique est sans concluante. Mais à ce stade, nous espéculons que de M. Molière, naba journaliste sous-traitant, ils ont trouvé ça où? Et les médecins ont argumenté tout ce qu'ils ont mis dans leur rapport, tout en promettant, lors du procès, Bakoya Kotika en ligne, éclaire en public, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont conclu dans le rapport de Bango. Bien sûr. Il en est de même, une grande partie de rapport, de relevé téléphonique, sont déjà devant la table du magistrat instructeur, d'après certaines sources. Et très rapidement, le parquet, avant de faire une requête aux fins de fixation, d'après nos sources, se viendra à la CAQ Batou, à la CAQ Presse, à quoi qu'on fixe sommairement l'opinion sur ce qui leur concerne pour leur enquête, tout en affirmant qui, l'opinion. Le PG Firmin Vonde. C'est lui qui a été devant la presse. Il y a quoi affirmer pour la Koloba. Pour nous, maintenant, le parquet s'est dessaisi, puisqu'une fois l'affaire est fixé, le parquet n'a plus de devoir. Bah, devoir, nous, ce qu'on continue, c'est le tribunal qui a requérir pour éclairer ce qu'on l'interne. C'est bah, le tribunal d'instance et à jugement. Très bien. Et à ce stade, il faut aussi noter le fonctionnement du parquet. Le lot qui est que on a constaté, par exemple, dans deux cours d'appel à Kinshasa, deux parquets près de la cour d'appel à Tambola, le PG près de la cour de cassation a installé une surveillance permanente où il y a un bureau de deux de ses collègues magistrats à parquet général près de la cour de cassation avec leurs offices Nakatia parquet général Kinshasa Gombe Nakatia parquet général Yamatete en train de faire l'inspectorat, donc ils sont en train d'inspecter puisque le parquet à grande instance basa inspecter na parquet général près de la cour d'appel. Les parquets généraux près les cours d'appel sont inspectés par les magistrats et à parquet général près la cour de cassation. L'objectif c'est lequel? Koutala de près, ma bavure, ma méfait. Il y a un magistrat. Il y a un magistrat, ma clientélisme, la légèreté dans le traitement du dossier et une certaine sérénité s'est installée. Donc on a PG, non, le procureur général. Pour la cour de cassation, moto a levé l'option. A innové. Et lorsque. Non, c'est génial. Il a innové. Lorsqu'il y a un bruit. Firmin Vonde. Exactement. Voilà. Lorsqu'il y a un bruit devant un parquet général, tel magistrat. Une fois saisi, au lieu de 5 dossiers en communication, non. Puisque le parquet, pour la cour de cassation, il a déjà on a pas ses représentants. Ouais. Yakako, Samba. Les parquets s'en saisissent, basent le dossier, on regarde et on oriente. Et il y a moins de lamentations. Et il semble qu'on a déjà frappé plus de 30 magistrats pendant qu'il est là, ça fait déjà presque une année. Oui, oui. Il a déjà arrêté 30 magistrats. Par leur dignité, nous n'avons pas. Nous avons la liste et les noms. On ne cite nous, pas. On ne cite pas. C'est pour que ça corrige. Donc. Justice comme le Tambola. Donc, à peu près 5 hein? Ont déjà été fixés en procédure de flagrance. L'audience a eu lieu. Ils sont condamnés et comme Bazala qui nommé par ordonnance, et qu'elle est œuvre à président de la République pour leur révocation. Et il faut te préciser, Nabatou, hein, le magistrat est bel et bien comment terroriser Batou. C'est-à-dire quoi? Dossier à l'Okuta, a eu que Moutouzan a raison, mais à Kangaka, à Posa Liambongo. Mais le Kouana, ils ont eu que la mingi population,
et mokonzi mboka fachi a terebla ki makamona makasi pour être alobaki ki justice ezala no jusqu'à présent na ban des accusés. Bref, mokonzi ya kanga ba magistrat oyo asambisaka bango oyo aza na capacité ko kangana ba juge ya cour constitutionnelle et ça procureur général pour la cour de cassation yé moto lande la kabatonyo soana a tie méthode sikoyo ayoki nyamu nyamu okangi mutu na droit ya lokuta okosi makambo bakangi yo atie na circulaire atie na circulaire bakoki ko kangali sous te début ya weekend, ça veut dire à partir ya midi ya vendredi oko kangali sous mutu te au moni magistrat de tungisayo aucun mandat d'amener aucun avis de recherche mandat de perquisition ne peut être exécuté le week-end sauf sur autorisation expresse yao et yaye. Mais il semble que les loups mangent maintenant, les loups entre eux ne se mangent pas. C'est pourquoi ils sont en train de crier pour qu'il y ait couvri Bango dans la solidarité. Si nous allons entre les loups là c'est qui? Les loups c'est les magistrats. Entre eux ne se mangent pas dans la faute. Mais en quoi? Puisque le président de la République a confiance au procureur général près de la Cour de cassation. Bien sûr. Tango a tiré Wana pour que Asembola Makambo. Tilelo. Très honnête. Soko le qui na parquet général près de la Cour de cassation, au côté na couloir Wana ya ba magistrat parquet général. Première photo ya Mbakaweza Nani. Ya Kengo Wadondo. Papa rigoureux. On l'appelle aujourd'hui Mutumoko référence. Il est resté une référence puisque à cette époque, non seulement qu'il avait la confiance de Mobutu, Mobutu aussi l'écoutait. Oui. Il a été répressif à tout niveau. Et des enquêtes à notre possession, le président de la République rassure tous les chefs des corps. Très bien. Il y a ma parquet. Ils ont la main libre d'agir. Et d'enquêter. Et d'enquêter et de frapper qui que ce soit et de ne pas céder. Ni à un membre de son cabinet qui vous appelle, c'est moi le directeur de cabinet, c'est moi le conseiller tel, c'est moi le secrétaire. Non. Et selon les enquêtes.com. Ce qui peut être maquillé, le tanga combat moutoir, je t'autorise, tu l'arrêtes lui aussi. Selon les enquêtes.com, n'est il adossé à enquête, il y a Chirubin Okende. Le président de la République aurait aussi donné l'aval à la procureur général pour la Cour de cassation. Salissant enquête ti na muzindo atamutunani soka zata la cabinet na ngai arrête lui juste il soit devant quelle institution arrête lui et les magistrats nous avertissons ça pour appeler bateau à trafic d'influence boyeba bateau ba intimida ka ba magistrat ba komba lui Fatia tombo ki déjà ces magistrats koyoka individu songolo pakalate je suis tel. Je te donne l'ordre dans tel dossier, tu n'as pas à recevoir l'ordre de quelqu'un que ce qui est prescrit na mibeko. Donc ça elle là na kolanda conscience to bengaka le bon sens et l'équité. Oui, que sengeli animé magistrat. Nyos, très bien. Et nous saluons puisque ce qu'il est là, batata neti batata filmé vunde. Vonde, Vonde, ya batu. Vonde, papa, na mambo. Magistrat, kolo ko kanga yo, na lobite na eza erere. Eza erere. Na mutindo wana, bango bakoli. Azana aje ya retraite te, masa komi papa. Bien sûr. Lobi siko tango ako kende. Il faut y patika la référence, nenge kengo tile lo kengo akoma kokoba, etika la référence. Kengo akoza la lobi ase akufi, etika la référence. Et l'autre est la référence, ton mouton est la référence, kaka mouton est différent à Bassous. C'est ce qui est différent qui devient une référence. Très bien. C'est là, et l'autre est même en gagnant le basico, bravo na cour constitutionnelle, nandenge bobengi si si ko, matata ponyo, assemble. Yo, jour où le bakia wake, bakoko baloti sa ki yo, na mwak douto yo. Matata mako sa misaye pe mako kangaye. C'est pourquoi batulelo. Na zoli ngando to ane ko kisamati. Na lobi ta bango. Ozala mando to mabe. Na zobi na bango ngai ma force, ma foi et ma communion avec les ancêtres. Non, avec Jésus-Christ toi aussi. Non, na zobi so ma foi, j'ai commencé par là. Ma foi, la foi en Dieu. En Dieu bien sûr, oui. Je suis chrétien. On peut aussi les ancêtres, ça gêne quoi? On peut aussi se communier maintenant avec les ancêtres. Tikana. Dieu avant tout. Toi aussi. Tikana na bête parce que olingi ola kisakana. Tikana yo ka verset. OK.
Nzambazo bimela Moïse, Moïse, na désert. Alubina, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle, Moïse, aza vivant et pas à Jétro, na Madian, place à Kimaki, na Égypte. Est-ce qu'Abraham aza là nous vivant? Jacob aza là nous vivant? Si Bakoufaki. Comment le Dieu des vivants se présente comme le Dieu de ceux qui sont déjà morts? Qui vous dit que ceux qui sont déjà morts n'ont plus d'identité du point de vue de Dieu? Non, les ancêtres existent. Ça, c'est Dieu qui se présente, le Dieu d'Abraham est mort. Le Dieu de Jacob est mort. Le Dieu d'Isaac est mort. Et tout ce que les théories qu'on développe, je ne sais pas si c'est la bonne doctrine de la parole de Dieu. Le Seigneur sait que si les ancêtres l'ont servi, il ne faut pas que nous soyons là, niveau à démon, puisque l'Africain voit les esprits très mal. Mais la communion avec ceux qui sont allés, même dans la lingomba de la catholique, prier pour les saints, après tout ça. Saint Jean-Paul II. Donc j'insiste. Ils m'ont dit, fils, ma tata, na moi doute, le 21 août. Na moi doute, oyo, ekosi la te, ma tata, moko samba. Mosambie, moko kende makala. C'était la prière de tous les jours ici. Et bah, Congolais, on a des missions et belles sur ça. Bagangi, oh, matata, monsieur Bokangalons, enfin. Qui dit mieux entre actuel président, cour constitutionnelle, tata pasteur? Dieu donné Kamoulet. A frappé fort. Non, il vient d'écrire l'histoire. Une histoire noble. Une histoire. Et... à corriger les bisons monstrualité à jurisprudence au Dieu donné Kalouba. Na. On voulait nous présenter des théories bidons. Et Dieu donné Kamoul est un praticien. Et puis, insistance, toujours, j'aime toujours ça, puisque les grands hommes, moi, la major, m'a expliqué à Bio, Bio, Dieu donné Kamoul. Alors, ça, la fierté, à tata, na yon soba soda. Puisqu'il y a un moine à soda, ou à colline à Kambo, na Kambo, Bozoana, na Efo. Mais il vient aussi de sauver la peau des hommes de Dieu. Hein? À qui se peut être justice, il y a solo. Yanzam. C'est Yanzam. Dieu donné honnêteté, ouais. Humilité, et il vient d'agir efficacement. Matata Ponyo Siko, il y a 205 millions de dollars na biso, la Kisa biso et Kendawapi. Banda babi misele le quoi pas greffier matata pour tika li kimia nazo ka tweet ya matata na mona tweet lundi na 11h tolo ka conférence de presse ya Birungu keko sir sango à la barre et lundi na 11h ayanan tu sais dans ce dossier j'ai senti l'orgueil ya Nyabirungu na matata. Le procureur général près la cour constitutionnelle papa Mokolo appelle matata, matata refuse. Il n'a pas qualité. Et maintenant, il comprendra que c'est le procureur là qui décidera sur l'arrêt au cours constitutionnel à rendre. C'est celui qui n'a pas qualité qui va aller l'enchaîner à Makal. Hein? Eh oui. Donc il ira vraiment à Makal. Je vous dis, Revenaye. Oui. Et Sili. Revenine. Revea. J'ai un rêve, c'est lui qui a dit. J'ai un rêve. Comme celui de Lumumba, comme celui de Kabila, comme celui. Rêve Nyoso et Sili, puisque rêve ya Mouyibi, va être à Kouswaï, le Sikosa Mouizi, Nyaroubaïm. Oui, Bilin. Na loi électorale, l'article 7.10, comme ça. Inéligibilité. Pour n'a détourné pas des deniers publics. Et lui a détourné. Il a détourné comme 57 millions. 205 millions. Non, mais ma tata. Et là, nous nous sommes déjà sur la voie. Ouais. Il y a université, fondation, ma université à Kindwana. Nous sommes comme université publique de Kindu. Oh. Comment ça? Mbongwa bilanga na bisoti. Ah, on va récupérer ça. Eh, biso mutangozo ango teza biloko ya l'été, songe za université ya bana na biso bana manyema et comme bien na bango, propriété na bango puisque za mbongo uti na mbongo biloko uti na mbongo na. Faut tu pas la carte gratuite à université. Et puis gratuite université ko bana na Kindu. C'est l'université Mapon. Na place wala na université Mapon.
référence à Moïbi. Université Mapon, officielle de Kindu. Université Mapon, officielle de Kindu. Et les gens vont demander, mais histoire, il y a Kombone et Utawapi. Na Moïbi, il y a Bukangalon, c'est déjà 5 millions de dollars. Balona Masangu et Bota et Loko Zova Otangela. Donc, Dieu donné Kaloubala où il est, il doit être malade. Oh non, il se sent vraiment épuisé. Conscience je reprochais Emilie. Comment Yoko Tangi Sakabana il y a un citoyen qui ne peut pas être jugeable et il y a un citoyen, Oyo, du point de vue du principe général et du droit pénal, qui est un juge naturel. Comment on peut enseigner ça? Et comment pas venir requalifier? J'ai entendu récemment, il y a un de la science pour Akena Eniki, Shadar, il n'y a pas enseigné dans l'arge, il y a ménopause scientifique, il dit, j'entre ici comme professeur des universités et enseignant, pas comme politicien, pas comme CPAP PRD, et ne m'opposez pas tout ce que nous disons à la cité ici. Abi, mais ça, c'est la contrario. C'est comme un pasteur, azote ayo alobio, bola nande biloko, nazotange la bino na bibla, bola na vi nangaite, bola na makambu nangaite. Nous devons prêcher par exemple. Exactement. Donc, Zala Ndumba, Zala Moïbi, Zala Nakis, Zala Pasteur Amilonga pour le mettre. Tant que tu cites un verset, bisoto le bamen. Non. La science aussi, c'est une coréité, Zala, entre l'enseignant et son enseignement pour que, au servir ba étudiant, non seulement de connaissances en termes d'enseignement, mais des modèles en termes de personnalité et des modèles en termes d'applicabilité de ce que tu enseignes. Ça, c'est ce que nous disons Dieudonné Kamouleta vient de sauver l'image de ce qu'aurait dit était une première au monde. Ça veut dire Moutou Oazanga juge naturel. Et c'est là, et n'a que comme Abisson Nengeni. Donc, ça m'a l'occasion de Nengazabou, mon frère. Et puis, toi, n'a budget à 15, 16 milliards. Donc ça m'a dit quoi la biso 16 milliards on a tout la misazaz a démissionné à quoi la biso et à ce je reprends ce matin à brandir yo à zana juge naturel te premier ministre vous avez jugé te et à ce moment là tu quoi avancé dans boucle t'es tu quoi avancé te tu quoi progressé félicitations na président de la cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta qui vient de sauver la république démocratique du Congo impunité ezali interdite na Article 6 de la Constitution. On ne peut pas construire une république à impunité. Nous devons construire une république à la valeur. Mouibi, Aza Mouibi. Et ce procès, Matata. Non, procès, Moukangalonzo. Il faut être un procès pédagogique. Et il y a Batounion, Soho, Bakoya, Koukamba. L'État lobby. On ne s'acharne pas sur Matata. Mais c'est toujours le cas solo. Lorsque tu as eu la chance de diriger, cher frère, dirige bien. Tu ne diriges pas pour toi. Mais tu diriges pour le bien-être des autres. Oui. Et en plus de cela, vous gagnez un peu mingi. Vous avez un salaire et un milaï. Quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu climatisé. Mais en plus de cela, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un respect. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de conditions bien. Ndakono kitoko bien sécurisé, pas pécio honneur, mais ça la pe banenga musala malamu. Yo chemu yibi en place, wana netoko yela yo awa. Mitu edo kibiso, trotikote. Dieudonné Kamouleta na cour constitutionnelle. Yo ka se sou Dieudonné musus. Oh Dieudonné Kanyam. Ba Dieudonné sur trois Dieudonné, tout ça, des Dieudonné porteurs et à bonheur. Dieudonné Kalouba, yete, à côté. Matite Mabeto, tiens, on a moto. Dieudonné Kamouleta, c'est bon. Dieudonné Kanyama, c'est bon. Dieudonné Kanyama a lobby la résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo. Il propose quoi comme solution? Et ça, c'est une révolution institutionnelle. Allez-y. En tout cas, Dieudonné Kanyama, comme docteur en droit, enseignant, en séjour et puis avec beaucoup de masters Katia Baktif Nae comme il en a appris un homme modeste il est allé et il s'est donné le temps il y a qu'au créer un droit bon qui est presque connu de tout le monde
mais paix applicable en République démocratique du Congo, puisque nous sommes dans le donne nouvelle. Environnement, na kati ya mboka République démocratique du Congo, ezape vaste, ezape ebele, ezape na ba domaine, et qui cause à la séparer na ba tendance na yango nyoso. Dans cet ouvrage, il a voulu d'abord se mettre à la disposition il y a public, il y a bas consommateur, il y a droit, tant bas usager, bas bénéficiaire, n'a bas praticien de droit, un outil qui leur permette, lorsque Bazana face à un dossier, certainement, quittant est-ce qu'ils a la résolu du point de vue des droits, bas application na yango tokendagara maboko ebele. L'environnement ici, il faut d'abord tout sender yango na quatre sphères na yango binene. Nous avons l'environnement minier, au comme on a place bako exploiter ba mine de manière générale, tant l'or, castérite, yttrium, étain, cuivre, cobalt, diamant ou les restes, tout cela est éparpillé na kati ya monde. Pétrole. Eza na se ya mai, mai yo ya babibale, nde mai biso toko consommer yango na bandako na biso. Na ba robinet, na ba consommation. Place ba minere msou se zali, nde zambo toke o kende okata bilanga, nde place njete zali, nde place nyama, oto benga ba espèce, na ba air protégé ba zali. Et en République démocratique du Congo, il y a le loi qui existe. En priori, toza na code minier, qui réglemente application na secteur wana, nde geni ba conflit pe ba règlement minier kozalema. Toza li na loi sur l'environnement, aux alliés qu'on consacrait pour déterminer ba air protégé ba espèce na ba ba espèce en voie de disparition ba biodiversité ba air protégé. Donc nous avons le code forestier aux alliés protéger ba zamba, puisque dans le code forestier il faut noter on n'a pas parlé d'abord de l'espace en terre mais quand il y a minéré mais n'était on a qui ça ça tout le monde a un aspect courant tout le monde a la makala. Qui dit Makala, il faut qu'on t'en jette. Bien sûr. Qu'on t'en jette, est-ce que quand nous coupons ces arbres, est-ce que nous reboisons la forêt? C'est place ça. Place au Kata qui nous jette, on a pour Makala, il y a qu'on botte à l'obi, jette Moussoua, il y a qu'on bima. Et si nous continuons comme ça, qu'elle deviendra l'exploitation dans 20, 30 plus tard pour Abisso, tout ça, l'élo, la génération, il y a qu'on a Mikolo, il y a impact nini, il y a Katuana. Ba écosystème, ba biodiversité. Je prends un exemple typique. Tout à l'heure, Awa Mokonjambo, Kautaki, qu'on mettre en valeur, ce que nous avons en ressources propres, en Lingina Lobelaka, 24 blocs pétroliers et gaziers. 24 blocs pétroliers et gaziers, dont 12 de nos blocs pétroliers et gaziers se trouvent à Tanganyika. Or, Tanganyika, ils ont un lac. Tanganyika comme province, Tanganyika peu comme lac. Ma bloc, on a un Katia Mai. Nous sommes dans la île, nous sommes dans les environs. Non seulement ça, tu as na, par exemple, dans le territoire de Manono, il faudrait tout exploiter. Lithium. Lithium pour la fabrication de batteries électriques et tout autre. Maintenant, bah, Rivelin, population locale, bah, dans la place lithium, mais elle est dans peut-être Bilangana, il y a pomme, il y a l'os, il y a Massango ou autre. Peut-être que tu as exploité lithium, il y a ma source, il y a maï, ou il y a ma capo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Quelle est la conséquence qu'il y aura entre le mélange et le produit en anamaï? Maintenant, l'État y est, il y a un bloc pétrolier qui est mis dans le parc national. Où il y a déjà reconnu comme patrimoine, espace, où il y a touché pour tout ça, dans l'animal, pour qu'il y ait en voie de disparition, tout ça, dans l'espèce rare. Dans l'espèce là, il y a aussi des arbres fruitiers ou des arbres tout court qui ne peuvent pas disparaître. Un autre exemple, même dans le cas, il y a un arbre, bois rouge. Vous avez déjà vu ça? Je connais. Bois rouge, dans l'Est, Ezali, ce pas bois rouge, c'est comme si le sang et le meuble qui sortent dans le bois rouge, quelle beauté naturelle! Et ils ne sont pas très nombreux. Quelle est la politique pour reboiser les bois rouges ou pour protéger l'exploitation dans le bois rouge? Braconnage et beaucoup d'autres domaines. Tant que nous avons exploité, par exemple, dans le parc il y a Virunga, le pétrole est placé. Il faut, par exemple, exploiter. Dans le pétrole,
quelles conséquences vous allez pour Banyama Baza Pembeniwana, Babonobo, Bachepanzé, population environnante aussi. Population environnante. Et entre-temps, l'État a besoin de l'argent. Entre-temps, l'environnement a besoin de vie, puisque la pollution, nous constituons la plus grande réserve mondiale pour na biloko ya ko protéger ba écosystème na ba biodiversité ou ba air protégé par le bassin du Congo qui est une grande forêt. Par exemple, fleuve na biso Congo e bandi na Tangani e bandi kuna na Katanga. E uti Katanga e kiti ba province Boni na, na découpage na biso oyo et traverser ko uta Katanga ke Imanyema et tamboli Kisangani. Et yako kenda le Sankuru, l'Équateur de manière générale, plus la grande forêt de Mayombe. Zambara mbeza kana maboko na biso, kaka kama parti to sale frontière na Brazzaville, ne ko sala kama ndamba. Ya muke et la plus grande du bassin du Congo était chez nous et nous ne tirait même pas profit de cet argent. Sassou s'est déclaré être le protecteur du bassin du Congo au détriment, c'est d'ailleurs la nature ya colère na contre Félix Tshisekedi. C'est quand Félix récupère la gestion et l'autonomie à poumon Abissou à Zamba au bénéfice de Congolais, de l'État et du financement, puisque c'est un poumon mondial que ça gêne Brazzaville. On a même une parenthèse reportée. Grand sommet, c'est là que ça, les mannes, il y a bassin, il y a Amazonie, il y a bassin du Congo, na Boumero, il y a Indonésie. Bah, reporté en gros, puisque Brazzaville avait déjà projeté dans les coulisses à organiser un sommet en rapport avec le bassin du Congo, dont il n'a même pas la forêt. Kindoki. Tout ça, c'est le combat, puisque Batubaota, Labakele et Assassou, ils ne comprennent pas que c'est le leadership et ce qu'il tirait profit derrière le Congo, puisque la diplomatie du Congo à l'époque, sous la gestion de Bazalaki, était faible, où nous nous sommes laissés berner par le voisin. Pétrole, Angola, Zokozoa. Zamba, Yenda, Zokozoa, Mbongo. Or, Kagame a besoin de monde et nous étions en train de nous contacter des miettes ici. Et Félix Tshisekedi est venu renégocier et retourner tout ce qui vaut au droit des Congo et du Congolais et Zongela Bissona en priorité. Donc, alors, dans cet ouvrage, le professeur docteur Dieudonné Kanyama propose un aperçu pratique. Nathan, il y a beaucoup de mélango. Ok? Ça va t'aider facilement. À proposer Nini, puisque bah, tu vas comprendre. Voilà, puisque ça préface, il y a Michel Lagarde, un cerveau d'État dans Maïmanan, Matali Forêt. Michel Lagarde insiste, na Odie Donné Kanyama m'a proposé à Lobby, d'abord la naissance d'un code de l'écologie qui permettra de centraliser et de classer toute une série des textes actuellement éparpillés. Exactement. C'est comme nous l'avons dit. Les textes sont éparpillés. Texte moko, code minier. Code environnemental. Tout ça peut être un code forestier. Des textes et des lois existent. Il y a que protéger l'écosystème, la biodiversité, même les lois qui créent l'autonomie, l'autorité à ICCN, comme Institut Congolais. Donc, pour la conservation de la nature, il y a des textes, il y a des lois qui leur donne le pouvoir. Voilà. Et c'est sur base de cette loi-là que l'ICCN même a fait arrêter, traque, et il peut emprisonner des gens qui tuent des animaux, qui exploitent, qui les vendent illégalement, malheureusement, pour ouvrir une petite parenthèse, Wilungula. C'est tout un point. Alors, tout ça, Yé, bazoko proposer. Voilà, code écologique. Code écologique, obako centralisé, nyon, soana, environnement minier. Chapitre 1. Environnement tout court, yaba espace yaba air protégé. Chapitre 2. L'écologie. Chapitre 3. Nakati wana code forestier. Chapitre 4. Nakati wana yango nyon so, et se répertorier
na 4. Très bien. Alors, deuxième aspect, juridiction voilà, on a réponse. Écologique. Deuxième aspect, au monitango na la symbiose, au monitango ba créer les biso toi là qui na code comptable na biso à la comptabilité générale, ba ko créer OADA. OADA, très bien. Tango droit na communautaire et tozo benga droit des affaires ayé. Et qu'on peut sa sens, tout est parti, puisque na kati a le droit, par exemple, tu vas n'être qu'en kaka, bah tu as département droit public, na droit privé judiciaire, point. Titi, le débit de vouloir créer ça, on a créé un troisième département, il y a droit économique et social. Et des gens qui sont licenciés en droit, mais département la bango, droit éco. Ensuite, les droits humains est devenu même tout un département aujourd'hui dans la faculté à droit. On commence à voir et l'évolution scientifique, il y a toujours ma précurseur, ma révolution. Pour appliquer ce qu'on droit, il y a droit et OADA. Quand on a jugé le dossier dans la TGI, dans la cour d'appel, mais le législateur a pensé qu'il faut créer des juridictions spécialisé ou bien tribunal de commerce. Très bien. Bazo traité kaka ba question na ba contentieux commercial seulement en se basant sur des codes et des lois qui traitent les rapports. Et ici, le professeur Dieudonné Kanyama propose la création d'une juridiction spécialisée, un tribunal de grande instance ou un tribunal du commerce ou tribunal écologique. Écologique. Avec un parquet écologique irrattaché, il y a même un parquet près de la cour des comptes qui existe. Ou puis un autre enseignant de droit qui est là-bas, Sultan, le professeur Kayumba, qui est d'abord là-bas dans ce parquet près de la cour des comptes. Et il propose une juridiction avec des formations adaptées, la mise à niveau. Il y a paysager là va praticier donc le magistrat du près de ses parquets ou le juge près de ses parquets qui vont intérioriser et l'application de ce code pour tenter de créer des questions environnementales. Voilà, il est allé plus loin. Il est allé plus loin en disant il propose également mettre un programme d'abissau dès le bas âge, éducation ou droit de l'environnement. Maintenant, du point de vue pédagogique, comment est-ce que avant on va initier quelqu'un? Ouais, c'est ça que j'ai toujours dit. Tant qu'on a le bac qui, par exemple, pour la Chadari, j'ai parlé de la ménopause. Les gens pensent que ce n'est pas par rapport à l'insulte. Non, je ne peux même pas l'insulter puisque ça ne vaut pas la peine. Bien sûr. Scientifiquement, il faut avoir préparé l'enfant dès le bas âge. Comment moi n'a à considérer pas quoi est l'environnement? L'environnement, en principe, c'est quoi? C'est ce que tout ce qui entoure l'homme, la terre, l'eau, la forêt, les substances souterraines que nous appelons le minerai. Alors l'homme considère l'environnement, la nature, comme une richesse. Et il faut déjà l'homme, dès le bas âge, soit initié au respect de l'environnement et comment consommer, utiliser, faire usage de cet environnement. Ce qui est risqué, notamment pour éviter des cas qui arrivent trop tard, des catastrophes naturelles, des réchauffements climatiques. Par exemple, le volcan de Nyiragongo, des volcans de Muragira, à Uvira. Et même à Tanganyika, Bimsaka, volcan, tant que le tremblement de terre est là, Tanganyika, comme le lac, à Toki, Mekalimi et Indaka. Tout le monde sait. L'exploitation du pétrole est du reste. Et tant que Tanganyika tombokaka, quelle sera la conséquence de la ville de Kalimi et de ses environs? Et on doit préparer déjà les enfants dès le bas âge. N'est-ce que toujours c'est un cours de civisme, cours d'environnement et côté dans l'école. Moi, j'ai dit droit de l'environnement. Banyama, Nengeni Basalaka, Matiti, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut jeter la pollution? Et c'est dans cette initiative que nous considérons. Ndako, place Mutavandi, na poubelle, na biloko. Nous et ce qui nous entoure. Après, ekoti eko kende, na faculté nyoso ou yali ko existe, puisqu'il y a tout un département environnement, na ISTA, na Bawapi, Ezali, na ISPL et partout. Mais qu'on ait un cours, yabatron komen ou ekopesa les basiques
environnementale na faculté nyoso. Très bien. Il y a un point aussi. Kota le bac malé muke muke bato bakanga. Point moko très important. Ba conflit au niveau de environnement c'est plus entre ba fort ou puissant na population. Neti code ezo la question déjà que moto aye ba droit na ba devoir na ye. Ba puissant na ba ye ba droit na ba ona ba devoir na bango. Et tout y'a comment qu'on tambola. Population ou azalaka victime, il y a bah acte posé par le puissant dans le environnement. Bien évidemment, puisque tu vois que dans l'ouvrage, il propose tout un cheminement. Et cheminement n'est qu'on a de quelque part vers quelque part. D'abord, le travail qu'il attend, qu'on lance par l'usage et l'ouvrage Oyo, c'est qu'on crée d'abord l'existence de ce code-là. Ça va bouger le code écologique. Ça va bouger la construction, puisque ça risque même de changer ma ministère. Il y a le raté, ma ministère a fusionné. Ça n'arrive. Quand on va créer Kodouana, Kodouana et coexister, et d'abord, les mêmes juridictions là, Kako et Zali, puisqu'il y a l'existence du code, le juge est soumis à l'autorité de la loi, y compris le ministère public et le magistrat du parquet. En se servant de ce code, on peut déjà trancher et réguler quelques cas de conflit. Du point de vue, si quoi a créé Kodouana, ça va au loin, puisque toutes les lois de la République et Sengeli est à la conforme à la Constitution. Et la création de notre système ou un autre ordre juridique, on peut aussi créer un ordre environnemental, puisque tout ça déjà n'a pas ordre où ça coexistait. Nous avons l'ordre administratif où Bandina c'est par les conseils d'État. Nous avons l'ordre judiciaire aux fait la Cour de cassation. Nous allons aussi une instance qui reste un débat de doctrine, qui n'est pas un ordre judiciaire, mais la pyramide de ces ordres-là, la Cour constitutionnelle. Et en regardant l'évolution du monde aujourd'hui sur les questions du climat, l'environnement, la pollution et autres, il y a bénéfice qu'on crée un troisième ordre qui est l'ordre judiciaire qui ne traite que des questions d'environnement. Ça, c'est du point de vue structurel et l'administration, n'est-ce pas, organique, du point de vue de la justice. Mais là, du point de vue du fonctionnement de l'État, il faut maintenant arriver à rentabiliser la fusion de tous les départements d'État et à trait à l'environnement. L'habitat a trait à l'environnement. L'environnement lui-même. L'environnement. Tourisme. Et a trait à l'habitat. Le tourisme a trait à l'habitat. Et nous avons ici. Ressources mines. Mines. Le ministère de Mines. D'ailleurs, lui, c'est l'environnement. Puisque comment on va extraire ou exploiter les mines dans quel coin? On va aller là où sont les êtres humains. Yo Yambao, pour en termes d'exemple. Maman chef coutumier. Chef coutumier au village Nabangonyo, sa fundagi jemera simifera na batumu susu. Village Nabangonyo, sa botola yango, pour na ba individu, ba exploiter. Qu'est-ce qu'on va leur donner en échange? On commence même à l'attirer. Ce qui va koko baza la gana ete, mbe basi wa bo makie. Ce qui va tuyo tuwana, pour pas qu'elle ne confonde, ce qui tribunal wana ya boiza, ba juridiction écologique et ça. On peut aussi exploiter. Du point de vue des droits, on peut aussi transformer un village en un carré minier, à un domaine d'exploitation. Mais en respectant un certain nombre de principes. En respectant un certain nombre de préalables, puisqu'il faut discuter avec la communauté locale. Aller dans les pourparlers, indemniser, délocaliser, leur donner tout ce qu'il faut, puisque là, ils vont perdre de valeur, bakunda bakoko na bango wana, batombe na bango naturel kotikala wana. C'est toute une vie, une histoire d'un peuple qui va s'arrêter pour aller vivre, par exemple, à 60 km dans un terrain. Vous devez les reconstruire, par exemple, banda kukuna, créer balo, les infrastructures qui leur permettent de vivre. Et même dans la redevance minière, puisque le code minier, d'ailleurs, le prévoit d'un côté, avant boya ko exploiter Messika wana, so beaucoup de l'autochtone ba exploiter wana vagaboy. Beaucoup solo lana bango. Et il y a dans la quotité qui revient na ba rivelin ba autochtone et local qui peut être transformé d'après les dits na ba infrastructure na ba construction de base, mais le constat est amer. Et à ber ba tomba sala ko lokwana te na yo toko kende lwala ba to komi tous wa kaka aspect à tank
Bazos polluer bloque bazos polluer plutôt te faire tank mining bien sûr mining la funguruma ba au sale la population de côté vous trouvez mituka ezara kati ya garage ya tank tu te dis mais attaque Kinshasa mituka boutique la minerai na minerai mais les environs de hit ba hit des gens qui manquent de l'eau oh avec cet ouvrage aucune structure sanitaire fiable pour soigner la population locale aucune école construite dans les qualités qu'il y a, mais la redevance et tout ce qu'il y a, le puissant s'arrange, ça va à Kinshasa, là où on décide, on signe, les gouverneurs s'arrangent le droit et tout ce qui s'est fait, et la population locale, Bakolo Minere, déplace ce que Dieu donné Kanyama, à l'obi, avec ça, la proposition n'a pas été fait, la population où il y a victime, il y a pas été droit il y a un droit qui est dans la juridiction, écologique pour bazong c'est na droit na ye basalele makambo o babibi et la référence puisqu'il faut noter aussi du point de vue de droit la code écologique ou environnemental souvent par exemple un aspect des questions qui reviennent mingi mingi pas à droit pour la question en justice il faut zara na qualité ah c'est tout ça qualité ozara na qualité ya question et qualité à moi il faut au démonter yo ya t'as la présidence, la Makambo Botola, mais du point de vue environnemental, nous pouvons aller en justice. Na Makambo, par exemple, celle Makina, tout ce baka concret, na Chikap. Maïe comme jaune. Bambis, comme jaune, Koufi. Ça la diarrhée. Or, maïwana de batouba sokolaka, de batouba de bamelaka, et conséquence, société pétrolière, wana, et où tu sois. Angola. Angola, et yé. On peut venir de manière modique au bako indemnisé. Mais les conséquences à des maladies incurables, des présences, y a un cancer, y a un maladie moko, ou ezanga komboyaka, qui se manifeste, puisque moutounenge toza buena kor, toza composé na substance chimique et minérale na kati anzo ton abiso. Et dès qu'il y a rapport de notre substance, une autre substance, ça peut créer de maladies sans nom, à créer des événements de génération à génération. Au Japon, avec Nakasaki et Hiroshima, vous connaissez la bombe, c'est pas des Américains, Nini Nessara pendant plusieurs générations, moutoua botisé mi, moana botami na sekele aboué. Lissou, malformation et tout ça, c'est dit aux effets radioactifs. Peut-être ça va arriver pour Fukushima encore au Japon, pour les effets. Peut-être ça va, ça, c'est déjà arrivé dans les dossiers Tchernobyl. Voilà. Et beaucoup d'autres questions. Donc ici, cet ouvrage nous met au croisé de ouvrage, beaucoup d'autres chemins. Où il va proposer, même un manuel. D'ici peu, il propose un manuel des procédures petit à petit, pour les règlements des conflits écologiques avec les praticiens de droit, et c'est un élément qu'il faut soutenir. Et nous saluons qu'ici, comme M. Michel Lagarde est le père de tout ce qui est applicable dans le droit foncier et notamment des questions d'environnement en France, et Dieudonné Kanyama se vit d'être précurseur pour ouvrir un chemin dans un droit qui va rester peut-être de génération en génération, toute une théorie, mais au moins, les scientifiques peuvent s'approcher, puiser, et nous puissions agrandir les raisonnements dans ce domaine. Merci beaucoup, qui est Dieudonné Kanyama, Dieudonné Tarsis Kanyama Mbayabou, et docteur en droit. Il est par ailleurs titulaire d'un diplôme de master en droit, économie et gestion de l'université Paris, Saclay, et faculté Jean Monnet, licencié en droit de l'université de Kinshasa, assistant de recherche à l'université de Lubumbashi et à l'Institut supérieur des commerces de Lubumbashi. Il est actuellement avocat général pour le Conseil d'État, conseiller en charge de formation des hauts magistrats au cabinet du procureur général pour le Conseil d'État et conseiller principal en charge du Conseil supérieur de la magistrature, des juridictions et des institutions publiques au cabinet du président de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, Dieudonné Kanyama, reste moins en boca. Produit pur, il y a awa. Produit pur. Au moment où je vous parle, il est encore retenu professeur en France. Ce qui veut dire au Congo, nous avons des gens qui peuvent apporter ma grande réforme. Aux en a pour ça au soutenir président, mais là, il y a une grande réforme où il faut changer ma cambo. Où ils ont réel politique
il est pragmatique, il est concret. Au théâtre, ah oui, on doit créer des grandes réformes. Oui, à Kosala. Bon, quand Zambo a fait ce qu'elle dit à l'Obaka, à ça, la poussé à Kosala, ma grande réforme, le pouvoir judiciaire. Justice, c'est aussi la grande réforme, Yaboy. Il vient, il apporte une solution pour échanger ma Kamboebele. La résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo. Des données Kanyama. Les savoirs ne ment pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Demain, on parlera d'autres sujets pour Tolobi. Moi, Mingi déjà. Merci. DG Stéphane. Balamwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Tafachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane. Balamwangi. Oh yeah, yeah.